Alléluia. Amen. La Bible dit la foi elle vient de ce qu'on attend. Donc il va y avoir la foi. Oh, ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Oh, elle a entendu qu'il y a un Christ qui est bien aimé. Oh, quand elle a entendu qu'il y a un Christ qui est bien aimé, c'est cette femme, elle a trouvé la foi. Parce qu'elle a entendu. Parce qu'il y a un cas qui. Qu'il guérit. Qui est ça, la montagne qui copie qui ça? Je ne sais pas, mon frère, ma sœur. Quand tu entends la parole de Dieu, dans mon yon, ben ensemble, tu as la foi vraiment que le Seigneur va changer ta vie. Et couleur, tu as la foi vraiment, ma sœur, mon frère, que le Seigneur va te guérir. Et couleur, tu as la foi vraiment, ma sœur, mon frère, que le Seigneur va te bénir. Et couleur, tu as la foi vraiment, ma sœur, mon frère, que le Seigneur va te restaurer. Cette femme, elle a fait la foi. Marie des années. Attends, mais quand il a rencontré le Seigneur, elle était guérie. Elle était guérie. Acclamez pour notre Dieu. Acclamez pour notre Dieu. Je sais que tu seras guéri, bien-aimé. Je sais que tu seras restauré, bien-aimé. Par la foi, tu vas rencontrer le Seigneur. Tu seras guéri, bien-aimé. Il faut avoir la foi. La foi change les choses. Même si tu n'es pas guéri sur place. Mais quand tu as la foi que tu es déjà guéri, le Seigneur va opérer dans ta vie. Le Seigneur va faire des grandes choses à toi. Et cette femme, elle avait la foi. Pour terminer, bien aimé, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10. Les versets 47 à 53. Versets 47 à 53. Amen. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les réprimaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il l'appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, répondit l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vie et suivit Jésus dans les chemins. Amen. 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 La Bible nous dit, bien aimé. Et c'était cet homme est parti, mais. Des gros Bartimée. La Bible montre qu'il était mendiant avec. Elle demandait l'argent. Il était aveugle, bien aimé. Aveugle de naissance, bien aimé. Et la Bible nous montre, bien aimé. Et quand il a vu Jésus, quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, et la Bible dit qu'il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Bien, mais quand nous lisons, bien aimé, et tous les gens qui cherchent la guérison, la Bible nous montre qu'ils criaient. Parce que pourquoi ils criaient, bien aimé? Il y avait la foule. Il y avait des gens de barrage. Il faut qu'ils crient, bien aimé. Il faut que le Seigneur attend. Parce que là où le Seigneur passe, bien aimé, il y avait beaucoup de gens. Il y avait la foule. Et quand les gens le Seigneur va passer, il y avait toujours la foule, parce que les gens cherchaient la guérison, les gens cherchaient la bénédiction, les miracles. Et la Bible nous dit, bien aimé, et Bartimée le mendiant, il a entendu, bien aimé, que le Seigneur va passer. Et la Bible nous dit, et quand le Seigneur est passé, il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors la Bible dit plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Je voulais te dire, bien aimé, mais le moment que tu cherches la face de l'Éternel, le moment que tu jeûnes, tu
cherches la face de Dieu, il y a toujours des barrages. Il y a toujours des gens bien-aimés qui vont venir te décourager. Parce que c'est le moment de ta bénédiction. C'est le moment de ta guérison. Les diables sont bien-aimés. Alléluia. La Bible nous dit que les gens reprenaient Bartimée. Les gens poussaient Bartimée de ne pas avancer vers le Seigneur. Mais les gens ne comprenaient pas la foule. Les gens ne comprenaient pas l'ennemi. Il était aveugle. Bartimée, il avait besoin de rencontrer le Seigneur. Pour qu'il puisse voir. Mais les gens étaient là pour reprendre le Bartimée. Il y a un moment où tu cherches la face de l'Éternel. Hein? Et il y a des gens qui vont te faire taire. Pourquoi tu vas à l'église? Tu crois que tu vas la solution d'église? Pourquoi tu vas prier? Tu crois que tu auras la solution? Il y a longtemps prié, tu n'as pas de solution. Et aujourd'hui, tu crois que tu auras la solution? Et ces gens-là qui poussaient Bartimée. Là, mais les maisons dans les églises aussi. Quand une fois, mais les maisons, ta guérison arrive. Quand une fois, c'est ta bénédiction arrive. Il va te repousser, bien aimé. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est moi, mais Bartimée. Les gens les reprenaient. Les gens poussaient Bartimée. Mais Bartimée n'a pas cessé de crier. Ma sœur, mon frère, de moi, si que mon père, ne cesse pas de crier. Ne cesse pas de chercher ton Dieu. Ton Dieu, il est Dieu, bien-aimé. Il va te rencontrer. N'écoute pas ces gens-là. Ne regarde pas ces gens-là te reprendre, bien-aimé. Mais pour bien-aimé, pousser les cris des gens. Priez le Seigneur. Avant de rencontrer ton Dieu, le Seigneur va te rencontrer. Et le Seigneur va te guérir. Comme Bartimée, bien-aimé. Il était aveugle, bien-aimé. Il poussait les cris, bien-aimé. Mais ce n'était pas ça que les gens reprenaient Bartimée. Pour que Bartimée ne puisse pas crier encore. Oh, la Bible nous dit, bien-aimé. Il criait, et bien pitié de moi, fils de David. Plusieurs gens le reprenaient. Mais il criait beaucoup plus fort encore. Alléluia. Ce qui est étonnant, bien-aimé, oui, les gens reprenaient Bartimée. Mais quand les gens poussaient Bartimée, la Bible lui, il criait encore plus fort. Alléluia. Amen. Il faut crier encore plus fort. Et quand les gens te reprenaient, ma soeur, mon frère, ne cessez pas de crier. Bakisa Boganga, Pesa. Ajoute encore. Bakisa Boganga pour Kisa Yoka. Fatigue pas, bien. Cherche la face de l'Éternel. Marie la circonstance. Regarde ton Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé. La Bible nous dit. Jésus s'arrêta. Quand il a écouté, bien-aimé, il y a un homme qui crie fort. Et la Bible nous dit, bien-aimé. Et le cri de Bartimée a touché le cœur de Christ. Jésus s'arrêta. Jésus va s'arrêter, bien aimé. Et quand tu vas crier fort, Jésus va s'arrêter. Il va s'arrêter pour la guérison. Il va s'arrêter pour la bénédiction. Il va s'arrêter pour l'élévation. Il va s'arrêter pour la paix. Il va t'arrêter. Alléluia. Amen. Ne cesse pas de crier. Christ est notre guérison. Christ est notre restauration. Personne ne peut restaurer notre vie qui est Christ. La Bible nous dit, bien-aimés, Christ s'arrêta. Et dit, appelez-les. Ils appelaient la veuve. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle.
Et les gens qui reprenaient Bartimée, ils disaient encore à Bartimée, prends courage, lève-toi. Quand il est repoussé, lève-toi. On t'appelle par Christ. Regarde, parce qu'il a crié fort. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a cassé. La Bible dit l'aveugle se jeta son manteau et s'éleva des bords. Vint vers Jésus. Jésus reprena la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Donc maître. La Bible nous dit, lui répondit l'aveugle, je recouvre la vie. Oh. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui l'aimaient. Ils étaient sauvés seulement par la foi. Alléluia. Amen. Parce que Bartimée, il avait la foi, bien-aimé. Parce que Bartimée avait la foi. S'il rencontre le Seigneur, il sera sauvé. Il va voir. C'est toujours dans la foi. Bien-aimé, sans la foi, tu ne verras jamais la guérison. Comment tu cherches le Seigneur, bien-aimé? Tu es malade, bien-aimé. Tu dis que le Seigneur va me guérir. Mais quelque part dans ton cœur, tu dis que, ah non, je ne crois pas, le Seigneur va me guérir. Donc tu n'as pas la foi. Donc tu ne seras jamais guéri. Mais il faut avoir la foi, bien-aimé. Comme cette femme cananéenne. Comme Bartimée, bien-aimé, le mendiant. Il avait la foi. Et la Bible nous dit, bien-aimé, il était guéri. La Bible nous dit, aussitôt, il recouvra la vie. Et suivi Jésus dans les chemins. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. S'il est guéri, c'est fini la parole de Dieu. S'il est béni, c'est fini la parole de Dieu. S'il est restauré, c'est fini la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien-aimé, Bartimée, il était aveugle, bien-aimé. Quand il était guéri, bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, il a suivi Jésus. Alléluia. Parce que c'est bien-aimé, c'est vraiment le Seigneur qui guérit. Ce n'est pas une personne. Il a suivi Jésus. Pour terminer, bien-aimé, je veux te dire, bien-aimé, il y a une personne qui guérit. Il y a une personne qui ressort. C'est le Seigneur, le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé, il est l'étoile du matin. Serait éclairé la bombe d'ailleurs. Après, il nous est comme une polée. Alléluia. Serait éclairé la bombe d'ailleurs. Ma camarade, c'est comme une polée. Serait éclairé. Serait la bombe d'ailleurs. Bombe d'ailleurs pour changer. Serait la fin de la bombe d'ailleurs. Et bombe d'ailleurs pour bon voilà. Parce que il est Dieu. Bien-aimé, saisissons cet homme de Galilée. Aussi, ma dévoile Galilée. Christ est pour notre guérison. Christ est pour notre guérison. Nous devons saisir cet homme. Je dois finir, bien-aimé. Je voulais te dire, ma sœur, mon frère. Ne regarde pas une personne. Mais regarde ton Dieu qui t'a appelé. Regarde que ton Dieu qui te donne la force. Regarde ton Dieu qui te donne le souffle de vie. Bien-aimé, une personne ne peut pas te donner le souffle de vie. Voir même les docteurs, bien-aimé. Mais si Dieu ne dit pas un mot, ce qui nous semble à vivre par mon côté, tu es toujours en vie. Osaka Kawana. Tu es toujours en vie. Osaka n'a pas mal. Il y a des docteurs qui. Je ne sais pas, il y a des témoignages, des témoignages. Ma tête au lit, Isa est béni. Il y a des docteurs qui traitent les gens bien-aimés. Et ça, le docteur va venir soigner. Il voit que c'est fini. Mais le docteur voit aussi les miracles. Miracle. Il voit que c'est fini dans ta vie. Mais bien aimé, le Seigneur va te donner la vie. Et ça, il voit que c'est fini, c'est fini. Et si, mais Dieu, c'est lui qui donne la vie comme la Bible dit. Il
va te donner la vie. Il va te guérir. Il va te restaurer. Il va t'élever. Il va te donner la joie. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Parce qu'il est Dieu. Saisis cet homme. Saisis cet homme. Même dans le problème. Même dans la maladie. Tu seras plus que vainqueur. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamez plus fort pour ça. Allons prier pour la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci de nous parler cet après-midi. Tu nous as dit, Papa, tu es notre guérison. Seigneur, que cette parole qui vient de sortir cet après-midi dans ce lieu, que cette parole prenne une grande place dans notre cœur. Que cette parole change nos vies parce que tu es Dieu. Je laisse encore tes enfants qui n'ont pas pu venir cet après-midi dans ce lieu. Là, ils sont, Seigneur, touche encore le cœur de tes enfants à travers cette parole. Oh Seigneur, merci de nous parler cet après-midi. Que tu es notre guérison. Merci de cette parole qui vient de sortir. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois béni. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Jésus-Christ, ma bonne grâce. Alléluia. Amen. Acclamons encore pour la parole de Dieu. Nous allons passer à le communiquer. Ensuite, nous donnerons nos dîmes au fond au Seigneur. Le lundi à 17h, nous avons la prière pour toute l'église. Le mardi à 17h, la répétition de la voix du Seigneur. À 19h, nous avons la prière d'intercession. Le mercredi à 16h, nous avons la répétition de la lumière. À 18h, nous avons le culte pour toute l'église. Le jeudi à 16h, la répétition de la chorale La Voix du Seigneur. À 18h, la répétition du groupe instrumental.